Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ça. J'ai été à une boutique Action et j'ai vu qu'il y avait cette petite boîte d'aquarelle. Je cherchais justement une petite boîte pour me balader, pour mettre dans ma poche, pour mettre dans une petite sacoche comme ça. Vous voyez, quelque chose comme ça. Donc il me fallait une palette qui puisse rentrer là-dedans. Actuellement, j'en ai une. J'utilise ça. C'est très bien. Ça, c'est d'Alain Ronet. Ça coûte une dizaine d'euros. Et celle-là, elle était à 1,99€. J'ai le papier. Voilà. 1,99€, kit d'aquarelle. Il y a 18 couleurs et une brosse de poche. Alors, brosse de poche, ça doit être ce petit pinceau-là. Donc, je me méfie quand même. Mon idée, c'est que, même si les couleurs sont pas bien, il suffit de les enlever et j'aurai une boîte à peu près sympa et j'y mettrai des couleurs à moi. Mais on va quand même la tester. Bon, au niveau de la taille, c'est pas mal. Est-ce qu'on a... On va mesurer. 8 cm. 12. 1,5 cm. Donc 8 par 12 et 1,5 cm d'épaisseur. Ça, ça rentre dans n'importe quelle petite sacoche. C'est très léger. C'est pas mal. Alors là, en effet, il y a beaucoup de couleurs. Donc là, il nous donne... C'est bizarre comment c'est rangé. On a le noir au milieu, mais bon. On va enlever ça. Là, ça colle. Ça, avec un peu de dissolvant, on va pouvoir l'enlever. Alors, bon, il y a beaucoup de couleurs. Il y a des couleurs assez violentes, comme ça, là. Et il y a ce petit pinceau. Bon, ça, ça sert pas à grand-chose, honnêtement. Là, vous voyez, les poils, comme ça, là. On peut pas faire grand-chose. Alors, le pinceau, déjà, hop, zou. La boîte, elle... Je suis sûr que si j'enlève les couleurs, je peux y mettre. Ça doit s'enlever assez facilement, en fait. Ouais, avec un peu un coup de cutter, clac, on enlève ça. Bon, on va quand même les tester telles quelles. Parce que je vois, moi c'est la forme que je veux. Si j'enlevais cette couleur-là, en fait, vous voyez, c'est tout petit, ces godets. Je mettrais, par exemple, je recouperais par deux. Ça, je ferai une seule couleur, une seule couleur, une seule couleur, comme ça, ça m'en ferait donc 3, 6, ça me ferait 9, un choix de 9 couleurs, ça me suffit. Et là, j'y mettrai une petite mousse. Bon, on va tester directement, comme ça, ça sera plus simple. Et je ne vais même pas tester les couleurs sur un petit papier. Je devrais le faire quand même. Sinon, je vais directement dessiner. Donc là, j'ai mon carnet où je vais commencer à faire des oiseaux. Et ben, je vais faire quelque chose ici.
Bon, honnêtement, donc, quand vous voyez logiquement comment le rendu d'une bonne qualité de peinture, là, ça fait un peu comme de la peinture pour les enfants au départ. Vous savez, c'est assez transparent, il n'y a pas de matière. Ça, j'ai déjà dit. Mais là, je voudrais terminer quand même mon dessin. Donc, je vais faire, c'est. En fait, je vais utiliser de l'encre. Voilà, c'est un rotring, Tiki graphique. Et je vais reprendre mon dessin à l'encre. Comme ça, j'aurai quand même quelque chose qui est bien. Donc, je pense que ce genre de petite boîte, c'est parfait quand on veut pour aller en extérieur, par exemple, ou pour peindre. Mais, par exemple, voilà, avec un rendu à l'encre. Vous voyez, ça va. Tout de suite, ça ressort, c'est nettement plus intéressant. Voilà, comme ça me permet d'avoir une étude sympa. Voilà, en fait, il suffit de reprendre à l'encre et on a quelque chose de chouette. Donc, des couleurs un petit peu trop transparentes pour moi. Enfin, c'est même pas l'idée de transparente, c'est l'idée que, par exemple, si je veux, vous voyez, quelque chose comme ça, je ne peux pas l'obtenir. Voilà, à moins d'insister très très longtemps. Et donc, je vais carrément changer les couleurs, j'aime bien la boîte. Ou sinon, le garder tel quel, mais utiliser. Donc, soit de l'encre, soit un crayon noir assez foncé pour avoir du contraste. Donc, c'est une bonne chose quand même, cette petite boîte. À bientôt!